Je suis dans le Vercors, à la recherche de l'un des animaux les plus connus de la montagne. Je parle bien évidemment du bouquetin des Alpes. Le bouquetin n'est pas un animal sauvage très craintif. Par contre, pour l'observer et le photographier, je vais devoir monter haut, voire même très haut en montagne. Mais pour le moment, ce que je vois surtout, c'est de la pluie et de la brume. Et je dois dire que les 23 kg de mon sac à dos que je porte depuis plusieurs jours maintenant commencent sérieusement à peser. Il y a quelques jours, j'ai bien trouvé un bouquetin. Mais bon, c'était un jeune avec des toutes petites cornes. En plus, j'étais pas très bien placé. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont particulièrement les grands individus avec des grandes cornes. Je profite donc d'une météo particulièrement mauvaise pour changer d'endroit et tenter un nouveau spot potentiellement plus prometteur. Le Grand Vémont. C'est le plus haut sommet du Vercors et a priori, ce serait là que j'ai le plus de chances d'en observer. Je fais donc une autre ascension sur les plateaux pour arriver au pied de la montagne. Et une fois en bas, je trouve rapidement les premiers signes que je cherchais. J'observe plusieurs bouquetins, notamment des jeunes, des femelles et leurs petits. Avec le poids que je porte sur le dos, je suis pas très chaud pour me retaper une ascension. Mais bon, une fois qu'on voit les animaux, on a un regain de motivation et donc je me lance. Et puis, a priori, ça devrait être la dernière montée. L'ascension dure quelques dizaines de minutes, et après ça, j'arrive rapidement à observer mes premiers bouquetins. Comme j'ai pu les observer en bas, ce sont surtout des jeunes, des femelles et leurs petits. Leurs cornes ne sont pas immenses, mais bon, c'est déjà ça. Malheureusement, je me retrouve un peu au-dessus d'eux, et c'est pas l'idéal pour faire des photos. J'en profite pour faire quelques vidéos, m'asseoir pour souffler et observer les animaux. On est vraiment dans le bon coin, mais à mon avis, ils sont plutôt vers le haut. Pas de chance. Sur les pentes de la montagne, je trouve des crottes un peu partout, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bouquetins et qu'ils sont souvent là. Mais pour l'instant, aucun signe des grands bouquetins avec des grandes cornes. Je décide donc de monter un peu plus haut, histoire de trouver d'autres individus. Et rapidement, je tombe sur un deuxième groupe. Cette fois-ci, ils ont des cornes un peu plus grandes. Alors, c'est toujours pas des grandes cornes, mais bon, je sens que je vais pouvoir faire des photos. J'essaie toujours d'être à hauteur de l'animal pour que celui-ci se détache bien sur l'arrière-plan. Vous voyez mes premiers bouquetins ? Ils n'ont pas des cornes énormes, mais bon, c'est déjà ça. Il y a énormément de vent, je ne sais même pas si on va s'entendre. Mais bon, on va essayer quelque chose, c'est parti. En photo animalière, il faut savoir provoquer la chance. Et donc, je décide une fois de plus de continuer l'ascension, en espérant tomber sur d'autres bouquetins. Et ça manque pas. Je tombe rapidement sur d'autres bouquetins qui se baladent tranquillement sur les pentes de la montagne. Je décide de m'arrêter un peu plus haut, pas très loin du sommet et d'une arête rocheuse. Et cette fois-ci, j'obtiens une très belle proximité avec de jeunes individus. L'arête rocheuse est également très utile car les bouquetins se baladent dessus et à un moment se détachent complètement sur un arrière-plan montagneux. J'ai toujours aimé photographier la vie sauvage dans son environnement, pas forcément des gros zooms, mais plutôt l'animal dans son cadre de vie. Et cette fois-ci, ça loupe pas. Il y a un bel arrière-plan, la neige et les montagnes. Sans parler du bouquetin qui se perche au-dessus du vide.
Malheureusement, en montagne, la météo change rapidement et j'aperçois au loin des nuages chargés de pluie. J'essaie donc de faire quelques photos et de ranger le matériel. Après plusieurs jours de mauvaise météo, j'ai pas envie de me prendre encore une fois une averse. Je reprends les 23 kilos qui me servent de sac à dos et je redescends vite pour installer ma tente en bas pour passer la nuit. Pour croiser des individus avec des grandes cornes, je retenterai ma chance demain.